Aux États-Unis, l'armée devrait s'occuper de l'ennemi de l'intérieur. C'est ce qu'a affirmé Donald Trump. C'est ce que l'ancien président a dit, en fait, dans une entrevue qui a été diffusée plus tôt aujourd'hui sur les ondes de Fox News. Il a expliqué que les États-Unis ont deux ennemis, ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, mais que le plus gros problème, ce sont vraiment ceux qui vivent à l'intérieur. Possiblement une référence aux personnes issues de l'immigration. Donald Trump a donc suggéré que ces individus devraient être gérés par la garde nationale. L'équipe de campagne de Kamala Harris a réagi à ces propos en les qualifiant de choquantes et d'effrayantes. Et toujours aux États-Unis, consternation hier près d'un rassemblement de Donald Trump à Coachella, en Californie, parce qu'on a appris ce soir qu'un homme a été arrêté en possession de plusieurs armes qui étaient détenues illégalement. Un fusil, un pistolet chargé ainsi qu'un chargeur à haute capacité ont été retrouvés dans sa voiture. L'homme a été libéré sous caution le soir même et doit comparaître plus tard en janvier.